Ce que je vois lorsque je regarde la carte ce matin, c'est que Montpellier, une fois de plus, a résisté à l'extrême droite dans une ancienne région, dans un cordon méditerranéen qui est devenu tout noir. Montpellier, son modèle citoyen, écologiste, divers gauche, a bien résisté parce qu'il propose finalement une réponse sociale, une réponse écologique, une réponse culturelle qui permet aux habitants de prendre conscience de ce ciment nécessaire à la vie, à l'urbanité, comme on disait au XVIIIe siècle.